Les compagnons du devoir, comme je l'ai dit à l'instant, c'est à la fois une communauté solidaire, c'est des savoir-faire, c'est les traditions, nos territoires, nos métiers, et c'est cette volonté d'être dans la modernité et d'être dans cette capacité d'innovation. Mais j'ai une vraie fierté d'être ici à Baillargues parce que je pense que tous, nous avons, avec les collectivités autour de moi, nous avons réussi à faire avancer ce beau projet, et parce que le projet qui est porté par les compagnons, par son président, toute cette équipe-là, est un projet qui est essentiel pour notre pays. Ici, on investit. On investit dans ces jeunes et ils ont une fierté, et cette fierté est vraiment légitime. Ça nous permet d'évoluer personnellement, parce que c'est pas simplement une formation où on apprend un métier. Il y a beaucoup d'entraide, de la fraternité, et on est amené à changer de ville chaque année. Ça dépend des corps de métier. Voilà, c'est formateur humainement, ça nous forme humainement et à travers le métier aussi. Donc l'apprentissage est une belle chose, puisqu'il y a la transmission bien sûr du savoir, mais il y a l'état d'esprit aussi. Et transmettre plus qu'un métier, transmettre un état d'esprit et transmettre ce lien qu'on peut appeler le lien social est pour nous quelque chose de primordial sur Baillargues. Culturellement, historiquement d'une manière un peu plus significative en termes de tradition, Baillargues a toujours été une terre d'accueil, une terre de transmission, et je tenais vraiment à perpétuer cette démarche-là. Aujourd'hui, les Compagnons du Devoir, ça représente quoi? Ça représente 6000 jeunes en formation, en apprentissage, dans 29 métiers. Notre formation, c'est une formation qui démarre du CAP, mais vers la licence. Ça, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, dans le sens où on permet à des apprentis, y compris en sortant de la troisième, avec un BEPC, finalement, de démarrer une formation vers un niveau supérieur. C'est une formation supérieure dans des métiers dits manuels. Pour nous, c'est vraiment au-delà de la construction en elle-même, c'est ce côté social, ce côté jeune, ce côté leur apporter un confort, eux qui débutent dans la vie, parce que vous savez, dans la vie, il y a un métier, il y a un toit, il y a un logement. Et ça, c'est important. Et les Compagnons du Devoir répondent au métier, et nous répondons au toit et au logement. Voilà.